Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou. Et vous verrez que c'est très simple à faire et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc pour réaliser ce petit bijou, on va utiliser de la pâte blanche et de la pâte translucide. Les encres alcool de notre choix et autant qu'on veut, il n'y a pas de limite, on fait comme on veut. Je vais aussi utiliser de l'alcool à 70, 90 ça fonctionne aussi très bien. Une planche de silkscreen, le pochoir de notre choix. Donc moi j'ai utilisé les feuillages, bien évidemment. On va aussi avoir besoin de feuilles métalliques, argentées, dorées, bronze, qu'importe, la couleur de votre choix. Et on va aussi utiliser un rouleau et une lame. Donc c'est parti, dans un premier temps on vient étaler notre pâte blanche. Et on vient déposer notre feuille de métal par-dessus. Donc ensuite on va venir faire craqueler notre feuille de métal, soit entre les doigts, soit avec le rouleau ou la pasta machine, c'est comme vous voulez, vous avez le choix. Ensuite je viens asperger ma plaque d'alcool à 70 et je viens déposer quelques gouttes d'encre alcool. Un petit truc que je fais personnellement, c'est que je souffle dessus pour que les couleurs se diffusent bien. En attendant que les encres sèchent, je vais m'occuper du silkscreen. Alors pour ça, je prends ma plaque de translucide, que j'étire le plus finement possible, et j'hésite pas aussi à l'étirer entre les doigts pour que ça soit encore bien plus fin. Je pose mon pochoir dessus et pour terminer, j'applique une couche de peinture et personnellement, je préfère y aller directement avec le doigt, mais vous faites comme bon vous semble. Une fois terminé, c'est aussitôt enlevé, aussitôt lavé pour pas qu'il y ait de dégâts. Donc une fois que j'ai laissé le temps de tout sécher correctement, je vais venir prendre ma plaque de translucide et je vais venir la retourner pour que la peinture soit contre les encres alcool. Et de ce fait, je vais pouvoir poncer par la suite la création sans problème. C'est une petite astuce que je vous partage parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Je passe un petit coup de rouleau pour que tout soit bien adhéré et pour chasser les bulles d'air. Et maintenant, il ne reste plus qu'à découper le bijou de notre choix. Passer tout ça en cuisson et pour finir, poncer, polir, lustrer, vernir, résiner, c'est comme vous voulez. Alors je voulais vous montrer un autre exemple avec la même technique, exactement pareil, sauf que là j'utilisais de la pâte et de la peinture noire. Je voulais vous montrer deux versions différentes avec exactement la même chose. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ni même à me montrer votre résultat, parce que ça me ferait énormément plaisir. Je vous le dis à chaque fois, je le pense vraiment. Et en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !